bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va continuer le travail qu'on a commencé la semaine dernière sur le banc qui est derrière moi. Donc le banc, il va avoir deux fonctions. La première, de soutenir le poêle à bois à droite de ce côté-là. Et la seconde, ça va être de proposer quelques assises ici de ce côté qui feront face à notre canapé qui sera juste là où je me trouve. Donc il reste deux étapes à faire sur cette banquette. La première, ça va être un léger ponçage au grain 80 pour éliminer toutes les arêtes un petit peu trop pointues. Et ensuite, on va y passer un coup de peinture pour rendre la surface lessivable et pour obtenir une couleur qui s'intègre un petit peu mieux dans la maison. Allez, on commence tout de suite. Voilà, donc maintenant que la banquette est terminée, on va pouvoir s'attaquer au prochain gros chantier de cette rénovation. Donc ça va être la pose des sols. Donc pour ça, on a encore énormément de carottes terre cuite à nettoyer. Et on va recevoir l'aide d'un ami, Andrea, qui va nous aider donc à poncer les derniers carreaux. Il a déjà commencé avant-hier à finir de nettoyer les carottes terre cuite rectangles. Voilà, donc ça c'est le reste des carottes terre cuite qu'on va devoir nettoyer. Donc il y en a environ 570 et comme vous voyez c'est un format différent des autres carreaux qu'on a nettoyés. Donc là on a des carreaux carrés de 22,5 cm par 22,5 cm plus ou moins.
Et bah, toujours de la même épaisseur, donc environ 3 cm d'épais. Certains font 2, d'autres font 4. Donc il y a un petit peu de tout.
Bon, alors demain, c'est le grand jour. On va enfin pouvoir mettre en place les premiers carreaux de terre cuite dans cette chambre où je me trouve ici. Donc, on a déjà passé un coup de balai, un coup d'aspirateur pour enlever toutes les poussières. Et on va y poser les carreaux de terre cuite rectangles qui sont ici, puisque, comme vous avez pu voir, les carreaux qui sont carrés ont une teinte un peu différente, sont beaucoup plus clairs, rosés, un peu plus même jaunes, et donc beaucoup moins orange que ces carreaux-là. Donc la couleur des carreaux carrés colle beaucoup mieux avec la couleur des carreaux nouveaux qu'on va sûrement acheter dans le Piémont pour carreler le salon. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas encore décidé, c'est le motif qu'on allait faire, qu'on allait appliquer avec nos carreaux de terre cuite. Donc on a commencé à amener quelques carreaux à l'intérieur et on va faire quelques tests de motifs pour décider ce qu'on va faire demain. Donc je pense que c'est important aussi de vous expliquer le type de pose qu'on a choisi. On va effectuer une pose scellée. Donc une pose scellée, ça veut dire qu'on va couler notre chape et poser au fur et à mesure de la pose de la chape. Donc ça veut dire que notre chape, ça va être une chape qui va être assez sèche et qui va nous permettre aussi de bien mettre à niveau tous les carreaux, puisqu'on a des carreaux qui font 2 cm d'épaisseur et d'autres 4 cm. Donc en faisant une pose à l'avancée, on va pouvoir faire rentrer des carreaux dans la chape un peu plus que d'autres. Voilà, donc ça, on vous expliquera un petit peu mieux demain quand on sera dans le vif du sujet. Donc pour l'instant, on va commencer à faire quelques motifs au sol et voir ce que ça donne. Notre dalle chauchanvre étant très irrégulière, on réalise ensuite 2 guides qui nous aideront à tirer la chape le lendemain. Pour ça, on positionne un tasseau de niveau de la hauteur de notre chape contre lequel on vient poser du mortier. On vient aussi positionner une fine bande de liège sur le bas des murs afin de gérer l'éventuelle expansion des différents matériaux. Les carreaux de terre cuite ont aussi été laissés à tremper toute une nuit afin de les saturer en eau, ce qui les empêchera de pomper l'eau de la chape pendant la pose. On démarre ensuite la bétonnière pour réaliser un premier mélange de chape. On réalise une recette dosée à 1 volume de chaux NHL 3,5 pour 2 volumes de sable de rivière 0,4 et 1 volume d'eau.
Une fois la chape tirée à niveau, on vient y saupoudrer un peu de chaud qu'on humidifie légèrement avant d'y poser nos carreaux de terre cuite. Yeah.
fait de l'irrégularité des carreaux, la pose est un peu compliquée, sans compter que c'est une première fois pour nous. On reste tout de même très satisfait de notre travail et du motif de pose choisi, qui ajoute une touche moderne à cette technique ancienne. C'est tout pour cette semaine. Il nous manquera donc quelques carreaux et quelques coupes à effectuer afin de terminer cette première chambre. Ce sera donc pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi et à bientôt.